Je sens quelque chose. Un danger nous guette. Il faut continuer. Ça vient de là-bas. Oui, c'est possible. L'odeur du sang couvre toute autre odeur. Regarde là-bas, dans les arbres. Tout est votre faute. La forêt meurt à cause de vous. C'est faux! Nous nous sommes battus pour la sauver. Et c'est comme ça que vous nous remerciez? Toi, enfant louf, tu as semé le malheur en apportant des choses ni humaines ni animales. Comment ça, des choses ni humaines ni animales? Et voilà, c'est la fin de la forêt. Ils sont revenus. Mes guerriers, ils sont revenus du pays des morts. Voudrait-il me tuer? Le gauche le ferait aussi si cela pouvait rompre le maléfice. Aide-moi à détruire l'esprit de la forêt. Vous commettriez un tel crime? Tueriez le cœur même de la forêt? Une fois les anciens dieux disparus, les monstres redeviendront ce qu'ils étaient, de simples animaux. Quand nous aurons rasé les forêts et chassé les meutes de loups, la montagne sera un havre de paix et d'abondance. Et la princesse Mononoke reprendra forme humaine. C'est par cette porte en entrant ce matin, et c'est par cette porte que je repartirai. Sylvain, il porte bonheur, signe que la forêt est saine et généreuse. Un monstre, un vrai, un sérieux monstre à tête humaine.